Bonjour, bienvenue dans cette revue de presse. Je voulais vous faire entendre une chose assez hilarante, enfin hilarante, si ce n'était pas le contexte. Et vous voyez que les mêmes les plus puissants font des lapsus. Hier, à Dallas, George W. Bush, l'ancien président des États-Unis, écoutez. The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway. Merveilleux. 75. Voilà, c'était. Et tout le monde se marre, je vois. La décision d'un seul homme, alors il partait sur Poutine, bien sûr, de lancer une invasion totalement brutale et injustifiée en Irak. Je veux dire en Ukraine. Et puis il ajoute, voilà, 75 ans, excoulé, 75 ans. C'est assez drôle parce que l'Irak, c'était un Suisse, hein. Est-ce que c'était pas l'Irak aussi une décision d'invasion totalement brutale et injustifiée, l'Irak? Où en est-on aujourd'hui? Alors, au-delà de Mariupol, au-delà d'Azovstal, où en est-on aujourd'hui, la situation telle qu'on la voit se dérouler? Le rapport de force? Alors, oui. Aujourd'hui, on a un petit peu la continuité, d'ailleurs, de ce que j'avais déjà annoncé sur votre antenne il y a déjà quelques semaines, c'est-à-dire que les unités du Donbass commencent à tomber les unes après les autres. L'effort principal de l'opération... Les unités ukrainiennes, c'est ça. Les forces ukrainiennes, oui, s'effondrent petit à petit, terminent à se défendre. Or, avec la reddition des troupes de Mariupol, on voit qu'il y a un effet de contagion dans le Donbass. Mmh. Et ces dernières heures, on a plusieurs unités de la 115e brigade du Donbass qui ont décidé qu'elles cesseraient de combattre. Elles ont tout simplement dit qu'elles refusaient de combattre. D'accord. En partie parce que, d'abord, elles reçoivent plus d'aide. Et là, il y a un peu un paradoxe parce que. Oui, parce qu'il y a il y a le flot d'armes, d'aide économique. 2 milliards, a dit le président Macron, que l'Europe était en train d'acheminer. Tout à fait. Et là, il y a effectivement, d'un côté, il y a les Occidentaux qui disent tout va bien, la Russie gagne, on amène des nouvelles armes, tout va bien, il y a des contre-offensives victorieuses de l'Ukraine. En réalité, c'est faux. Il n'y a pas de contre-offensives significatives, il y a plutôt des contre-attaques, mais pas vraiment des contre-offensives. L'armée ukrainienne a plutôt tendance à reculer qu'à avancer. Et les troupes qui sont dans le Donbass sont pratiquement coupées de leurs arrières. Donc, beaucoup, elles reçoivent du matériel, mais il est très rapidement détruit par les Russes. On a vu avec ces nouveaux obusiers qui ont été amenés par les Américains, les obusiers, les M777, ou 77, qui ont été détruits pratiquement au moment où ils sont arrivés. Et donc, les Ukrainiens ont les soldats ukrainiens, parce que là, on parle de soldats ukrainiens, on ne parle pas des paramilitaires d'Azov. Ces soldats ukrainiens se sont un peu abandonnés. Ils ont reçu l'interdiction de se replier. Ça, c'est aussi important. Zelensky leur a interdit de se replier malgré les recommandations de l'état-major ukrainien. Oui. Et donc, il y a un moral dans l'armée ukrainienne qui rejoint un petit peu, d'ailleurs, la situation qu'on avait connue en 2014-2015. Lorsque l'état-major avait poussé les forces ukrainiennes à combattre les rebelles du Donbass, et avec des ordres qui étaient parfois confus, des stratégies qui n'étaient pas claires, eh bien, on conduit l'armée ukrainienne dans une forme de spleen, on pourrait dire, qui conduisait d'ailleurs à beaucoup de pertes. Et que l'on connaît aujourd'hui, d'après ce que vous dites. On connaît aujourd'hui, effectivement, et il semble que de plus en plus, les redditions se suivent. C'est des petites unités, 50, 100, qui se rendent petit à petit parce qu'ils remarquent que le combat qu'ils font est inutile. Et puis on a l'impression qu'il n'y a plus de négociation, qu'il y aurait soi-disant, mais que voilà, on attend de voir ce qui va se passer et c'est presque au doigt mouillé, ce qui est tragique, eu égard au nombre de morts, de victimes, de part et d'autre.
Alors, tout à fait. Et c'est ce qui explique. On voit que les militaires s'intéressent davantage à des négociations que les politiques. Je ouais. rappelle que c'est une crise qui a été totalement gérée par les politiques en Occident. Et ouais. même les militaires occidentaux, notamment les militaires américains, s'inquiètent un petit peu de ce développement. Et ce n'est pas pour rien si le général Austin, qui est en même temps le secrétaire à la défense américain, a appelé le chef de l'état-major ou des forces armées russes, ouais. Shoigu, pour voir si on pouvait avoir un cessez-le-feu. Alors évidemment, c'est les Américains qui demandent un cessez-le-feu et ouais. non pas les Russes. Oui. C'est un petit peu à l'encontre. Encore un paradoxe intéressant. Ouais. Exactement, ouais. ce qu'on raconte dans nos médias où les ouais. Russes seraient aux abois, etc. Non, les Russes sont en très bonne position du point de vue tactique et opératif. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ont vaincu totalement, bien mais ils sont certainement pas de vaincre. Et puis, je pense que les militaires occidentaux aujourd'hui sont ceux qui réalisent avec le plus de réalisme l'importance et la gravité de la situation, alors que les politiciens, notamment les politiciens européens, enfin de l'Union européenne, ouais, ouais. j'ai l'impression, sont dans un nuage encore. Intéressant. Alors, la fin à Mariupol, que sont devenus les combattants d'Azov ? Et les combattants étrangers, s'il y en avait. Alors, Jacques Beau, qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors, on annonce que donc, le dernier bastion de résistance ukrainienne à Mariupol se serait rendu aux forces pro-russes et constitué prisonnier. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça entraîne ? Alors, on parle d'échange de prisonniers. On sait que le président ukrainien Zelensky a dit non, ils ne se sont pas rendus, ils ont été évacués et tout se passe en concertation, etc. Alors, vraiment, au vrai sens du terme, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je pense que les estimations occidentales et russes convergent sur l'existence d'environ 2000 hommes, dont environ 400 étrangers, dans les caves ou dans les souterrains au-dessous de l'usine, enfin, ce complexe Azovstal. Oui. D'accord. Aujourd'hui, des informations non confirmées que j'ai reçues diraient que déjà 1750 résidents d'Azovstal se seraient rendus. C'est à prendre avec des pincettes, mais ça montre qu'on est quand même sur des chiffres assez importants. Ils se sont rendus par petits paquets et pas tous d'un coup, comme on avait vu le mois passé à Azovmash, où la 36e brigade d'infanterie marine s'était pratiquement rendue d'un seul tenant. Oui. Là, on a des petits groupes, ce qui tente à montrer qu'il y avait des discussions au sein du mouvement entre les différentes unités pour savoir s'il fallait se rendre ou pas, accompagner. Et puis progressivement, on a vu comme un effet de contagion et de plus en plus de militaires, enfin de paramilitaires, parce que ce ne sont pas des militaires, ce sont des paramilitaires qui se sont rendus. Donc voilà un petit peu la situation. Maintenant, effectivement, c'est important au point de vue politique parce que la résistance d'Azovstal avait été portée par le gouvernement ukrainien comme étant l'essence même de la, ou le porte-étendard, si vous voulez, oui. de la résistance ukrainienne contre la Russie, d'une part. Mm-hmm. Et d'autre part, le discours ukrainien tentait à faire une sorte de confusion entre Mariupol et Azovstal, c'est-à-dire on essayait de dire ah oui. que tant que Azovstal n'était pas tombé, en fait Mariupol n'était pas dans les mains des Russes. D'accord. Or la réalité est que Mariupol est aux mains des Russes depuis environ 3 semaines. Azovstal est vraiment le dernier noyau au bord de la mer. C'est vraiment une petite, enfin c'est un gros complexe, bien mais sûr, ça reste quand même très isolé de la ville. Alors, est-ce qu'on sait, Jacques Beau, ou pas encore, on en avait parlé la dernière fois que nous étions entretenus, est-ce qu'on sait combien d'étrangers et qui sont ces étrangers, sans avoir les noms évidemment de chacun ? On a beaucoup parlé de cela. Est-ce qu'on a des renseignements supplémentaires ou pour le moment, rien de précis ? Alors, comme je vous l'ai dit, les estimations tournent autour de 400 volontaires étrangers. Donc, ce sont des volontaires, des gens qui se sont engagés aux côtés du régiment Azov, qui est une unité, comme je l'ai dit, paramilitaire et qui rassemble beaucoup de volontaires. Maintenant, on n'en sait pas beaucoup. Ou plus parce que les Russes gardent beaucoup d'informations chez eux, ils laissent filtrer très peu de choses. Oui. Ce que l'on peut imaginer,
c'est que une grande partie de ces militaires ou de ces paramilitaires vont être considérés comme des criminels de guerre parce que le régiment Azov a quand même une histoire de crimes de guerre assez importante depuis 2014. On en a parlé, vous savez, avec, avec ce jeune homme qui était parti dans l'humanitaire en Ukraine et qui est revenu il n'y a pas si longtemps, Adrien Bocquet, et qui a parlé d'Azov justement et des origines d'Azov, enfin en tout cas. Tout à fait. Donc, c'est assez bien documenté. Il n'y a que nos médias qui n'en parlent pas, mais en réalité, déjà, les organisations humanitaires, certains pays comme Israël, etc., se sont inquiétés pas seulement de ce que faisait Azov, mais du soutien qu'apportaient les pays occidentaux à ce régiment, puisqu'on sait, de nouveau, aucune de mes informations viennent de Moscou, elles viennent toutes plutôt d'outre-Atlantique, et des rapports indiquent clairement que ces formations étaient formées par des Canadiens, des Américains, des Français et des Britanniques. Parce qu'on a beaucoup parlé, vous savez, on a même montré des photos de tel ou tel haut gradé américain, on a parlé de Français. Poutine lui-même a dit, écoutez, il a parlé, alors évidemment ça fait partie de la propagande russe aussi, chacun défend ses intérêts, mais il a parlé, vous savez, des laboratoires biologiques, il a parlé des gens qui bientôt, dans une ou deux semaines, raconteraient eux-mêmes ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans les sous-sols d'Azovstal. Tout ça vous paraît une construction plutôt de la guerre médiatique ou de l'information, des informations, ou ça peut reposer sur des faits réels? Alors, je pense qu'il faut bien distinguer les différentes déclarations des Russes. Tout d'abord, les Russes sont restés extrêmement parcimonieux sur les informations parce que je pense qu'ils essayent de garder une sorte une carte dans leur manche, si vous voulez, pour la sortir au bon moment. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a effectivement dit qu'il y aurait éventuellement des laboratoires biologiques dans les souterrains. Je ne le pense pas. Je n'en sais rien, mais je ne le pense pas. En revanche, je pense que la fouille de ces souterrains, une fois qu'ils auront été, que tous les combattants se seront rendus, la fouille de ces souterrains pourrait amener des documents qui étayeraient un certain nombre d'accusations que la Russie a déjà évoquées. Mais je ne pense pas que les Russes pensent qu'il y ait des laboratoires biologiques ou des biolabs, comme on les appelle en anglais, sous Azovstal, oui. La Suède et la Finlande veulent rentrer dans l'OTAN. Est-ce vraiment une bonne chose? Et surtout, devons-nous les accepter? Mais on n'aurait jamais dû pratiquer la politique de la porte ouverte avec l'OTAN. Jamais. Voilà. L'OTAN était une organisation dirigée contre l'Union soviétique, le pacte de Varsovie, etc. Bon, on en a fait, hélas, une organisation anti-russe. Bon, voilà. Alors, je suis pas sûr qu'elle menace directement la Russie, mais la Russie le perçoit comme une menace. Et si vous voulez, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que tout ça est déraisonnable. Bon, il y a déjà des coopérations militaires avec la Finlande, avec la Suède, que finalement la Russie a accepté, mais l'entrée dans l'OTAN, ou pour certains pays comme l'Ukraine dans l'Union Européenne, ça pose un vrai problème, et on peut l'empêcher, on me dit, mais ils sont souverains. L'empêcher ? La France devrait mettre son veto à ces entrées ? Ah, je pense que oui, je pense que... La France, à l'OTAN, devrait mettre son veto ? Oui, je pense que oui, mais évidemment, c'est pas un veto sec, c'est un veto qui doit se mettre dans le cadre d'une négociation sérieuse, d'un cessez-le-feu, d'une négociation sur la neutralisation de l'Ukraine, de la Géorgie, comme on l'a fait pour la Finlande très longtemps, ou pour l'Autriche en 1955, qui n'est toujours pas dans l'OTAN d'ailleurs. Ça n'est pas anormal. Ce qu'il faut, c'est sauver la paix en Europe et la paix mondiale, parce que là, nous risquons énormément. C'est juste un engrenage qui, à un moment donné, échappe aux hommes. Et il faut entendre le mot paix. On a beaucoup parlé de guerre, il faut savoir qu'il y a un moment où ça échappe aux hommes, donc il faut faire quelque chose avant que le processus ne nous échappe complètement, devienne incontrôlable. Merci Henri Guénot. Merci d'avoir été notre invité. Toujours le conflit russo-occidental.
Que se passe-t-il en Afrique et en particulier au Mali ? Toxin pour la France au Sahel, nous dites-vous ce matin. Oui, alors nul ne sait qui sera ministre des Affaires étrangères et qui sera ministre de la Défense dans le gouvernement de Madame la Première Ministre, de Madame Borne donc. Et c'est pas très important puisque Emmanuel Macron s'occupe de tout. Le président règne jalousement sur son domaine réservé. Pendant 5 ans, il a court-circuité les ministres, souvent il les a mis devant le fait accompli. Et ce n'est pas nouveau, au fur et à mesure que l'influence de la France décline, ces monuments prestigieux que sont le Quai d'Orsay, l'Hôtel de Brienne, deviennent des palais fantômes remplis de courants d'air. La diplomatie est désormais la maison de retraite de la République, où l'on envoie les dignitaires blanchis sous le harnais. 3 anciens premiers ministres y ont été recasés depuis 10 ans, Alain Juppé, Laurent Fabius, Jean-Marc Ayrault, et 2 anciens ministres de la Défense, envoyés là comme on met les vieux généraux à la tête des Invalides, avec un titre prestigieux, un emploi du temps chargé, et un train de vie de l'or anglais. Ils sont décoratifs et on se demande à quoi ils servent. À quoi bon, puisque tout se fait à l'Élysée. La liquidation du corps diplomatique a été un coup de grâce. Et pourtant, les nouveaux ministres vont avoir une urgence à traiter. Un de ces dossiers qui ennuie désormais le prince. Que des coups à prendre, aucun bénéfice en image. Une affaire qui réclame du temps, du courage, une vision, bref. Une politique, le tocsin sonne au Sahel. Alors ça fait 8 ans que la France y fait la guerre aux terroristes. Hein. Mais on n'en parle plus, une guerre chasse l'autre, le Sahel c'est fini, on démonte, les djihadistes au couteau entre les dents ont été remplacés par les tankistes russes au couteau entre les dents. Serval, Barkhane, Takuba, toutes ces inventions lexicales de l'état-major semblent aussi exotiques que le Tanganyika. Le bilan est simple et cruel, la France a échoué à contenir les djihadistes au Mali. 58 soldats français ont payé de leur vie. Les contribuables ont arrosé de milliards d'euros le Sahel en vain. Peut-être que la mission était impossible. Mais ce n'est pas parce qu'on regarde ailleurs que ça va mieux. On n'en parle plus, mais la situation empire. En effet, le Mali se retire du G5 Sahel. Les Maliens claquent la porte de la force conjointe anti-djihadiste. Les putschistes à Bamako sont ulcérés de n'avoir pas obtenu la présidence de l'organisation. Ils accusent le G5 d'être instrumentalisé par une force extérieure. Suivez mon regard. On imagine mal à quel point ces Maliens détestent Paris. Ils nient effrontément s'être vendus à la Russie, qui leur a expédié des mercenaires. Les soldats français qui préparent leur repli sont sur le qui-vive. Les tueries se multiplient, le pays s'enfonce. Le sang coule aussi au Niger et surtout au Burkina. Là aussi, un coup d'état militaire a prétendu mettre fin à la chienlit. Le nord, l'est et maintenant l'ouest du pays échappent au contrôle de l'armée. 40 gendarmes, supplétifs et villageois, ont été tués pendant le week-end. Mais le comble, c'est l'émeute le week-end dernier à N'Djamena, au Tchad, une manifestation contre la France. La France accusée de soutenir la junte au pouvoir. Le général Idriss Déby Itno, qui a pris le pouvoir à la mort du général Idriss Déby Itno, son père. Une demi-douzaine de stations-service totales ont été vandalisées parce que françaises, et dans la foulée, une demi-douzaine de responsables de l'opposition jetés en prison. Au Sahel, le sentiment anti-français va continuer à se répandre. Si la France ne parvient plus à se faire aimer, à défaut de se faire craindre, elle sera chassée d'Afrique. Bon, eh bien, écoutez, si cette revue de presse vous a plu, partagez-la, c'est important. Et abonnez-vous. Au revoir.